on ne pourrait pas voir une autre personne à la tête du mythique programme musical de France Télévisions. Nagui anime avec brio N'oubliez pas les paroles et nous a habitués à ses taquineries et boutades dans tout genre sur le plateau de France 2. Il en fait voir des vertes et des pas mûrs aux candidats et ils le lui rendent plutôt bien. C'était d'ailleurs le cas de Marianne, venue challenger, vendredi 10 juin, le maestro KL. À lire également N'oubliez pas les paroles, France 2, cette drôle de révélation sur les coulisses de l'émission. Vous avez pris un produit avant de venir? La maman de deux enfants semblait heureuse d'être présente dans l'émission et n'a pas manqué de rentabiliser ce moment afin de faire une déclaration d'amour devant la France entière. À qui? Sûrement pas au père de ses enfants puisque c'est au chanteur Vianney qu'elle s'est adressée face caméra. L'époux de la violoncelliste Catherine Robert a dû avoir une drôle de surprise en découvrant cette séquence. Nagui tendait une perche à Marianne et déclarait « Vous êtes venu, m'a-t-on dit, faire une déclaration d'amour ». La jeune femme la saisissait illico presto et balançait du tac au tac être amoureuse de Vianney. Elle ajoutait, il ne le sait pas encore, mais on ne sait jamais. Pas à une idée saugrenue près, Nagui l'a encouragé à adresser son message face caméra à l'interprète de Pala. Donc vous voulez que Vianney le sache? Je vous en prie, lui lançait-il. Et Marianne de déclarer, Vianney, voilà, je suis amoureuse. Je sais, c'est trop tard, mais on ne sait jamais. Sur un malentendu. Conscient de la séquence qu'il venait de vivre, l'époux de Mélanie Page n'a pas été tendre. C'est très gênant, ce moment, a-t-il rétorqué. Dans l'embarras mais ne pouvant pas contenir sa curiosité, il demandait alors à la candidate venue challenger KL, vous l'avez déjà rencontré? Marianne répondait par la négative et expliquait qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'aller à l'un de ses concerts puisque personne n'a jamais voulu. Elle apostrophe, accompagnée. Surpris, l'animateur de France 2 soulignait avec ironie que c'est pas très dangereux généralement les concerts de Vianney. Et la challengeuse de répondre, je ne l'aurais pas lâché, ça aurait été dangereux pour lui. Après une énième drôle de réponse de la mère de deux enfants, le présentateur a jugé utile de lui demander si elle n'avait pas pris un produit avant de venir. Pour rire général sur le plateau. Kaina Aboud.